pas au bonheur. Venez goûter au bonheur. L'heure est à la bonne humeur, à la foire de sombre lune. Inutile de vous méfier ou de vous sentir observé. Venez rire et chanter, crier à la foire de sombre lune. Entre rêve et réalité, profitez des attractions. Personne n'a rien manigancé, c'est juste votre imagination. Les ombres dansent à l'infini, réveillent les âmes endormies. Derrière vous, une chose qui lui, on dirait qu'elle vous suit. En plus, elle vous sourit à la foire de sombre lune. Il y a une nouvelle extension, il y a un nouveau mode de jeu, il y a plein de trucs nouveaux. Donc on va aller voir tout ça. Vas-y, on va tester le mode duel, hein, du coup, les gars. En tout cas, les gars, c'est un mode de jeu, c'est free to play. T'as juste besoin d'un ticket d'arène pour entrer dedans. Ou tu peux avoir un total free to play. Juste un héros, créer un deck, puis améliorer entre chaque combat. Ah, par contre, il y a beaucoup de nouveaux persos. Vas-y, on va tester Paladin. Oh oui. Et pourquoi je peux pas choisir les autres? Ok, bon, on n'a pas le choix. Faut que vous avez attaqué avec un serviteur légendaire de votre deck. D'accord, mais pourquoi des serviteurs légendaires? Ah, c'est que pour aller chercher mon early game, en fait, j'ai beaucoup de cartes quand même. Allez, un petit top deck Fenerubien là. Victor, c'est déjà bien pour une première. Ouais, je pense. Franchement, je pense. Hein. J'ai pas les cartes de la dernière extension, je pense que je m'en sors quand même bien, tu vois. Ok. Ouais, mais c'est horrible cette petite merde là. On va peut-être dû faire pièce arme. Le prochain tour, consécration plus trade arm si jamais c'est la merde. Ouais. Vous pouvez faire pièce Hero Power au pire. Nari sorti à lui, ça va en vrai. Ça va, j'ai bien. J'ai aidé mon truc là. Le top deck là il est cool. Je peux garder ça pour plus tard. Je pense que là, je la mettais peut-être là, à ce tour là pour garder la tempo. Parce que le double Fenral là. Et je connais pas les nouvelles cartes choix de. Choix des armes. Du coup j'étais obligé de les trade les deux. Puisque genre ça se trouve il peut me wombo combo comme jamais quoi. Strongboard, j'aime bien.
Ok. Ouais, j'ai toutes mes cartes, j'ai ça. En vrai, je suis très très bien là. Je peux remettre du board juste après quoi, même si clean tout. En vrai, mon deck est pas si mal, hein, les gars. Le combo là de lui, plus la 3-4 là, la 3-4 qui tue tout le monde et qui réinvoque en plus 1-1, elle est incroyable avec le passif du deck. Bon, après, cadeau royal, si j'ai un board comme ça, vas-y, hein, admettons. Hein. Bon, on a 7 wins, ouais, c'est cool. T'as déjà eu un niveau pro sur Hearthstone ou pas? Pas du tout, pas du tout. Non, un niveau légende, mais pas un niveau pro, quoi. Quand je jouais beaucoup au jeu, je pouvais jouer contre des... Tu sais, les Mavericks ou quoi, quand je les croisais en ladder, ils m'explosaient, tu vois. Mais genre Torque, Marmotte, tous ces joueurs, il y avait match. Maverick, par exemple, ils faisaient pas d'erreur. Maverick, c'était... Si j'avais pas une sortie incroyable, c'est... Quand j'étais avec Maverick, c'était pas fun, hein. Moindre erreur, j'étais... C'est fini. Oliège, j'ai jamais tapé contre lui. Talk à l'époque aussi. Non, Talk, à chaque fois qu'on s'est joué, j'ai gagné. Talk en ladder, je l'ai à chaque fois battu. On a dû jouer peut-être 3 fois en ladder, j'ai à chaque fois gagné. Et quand on faisait des BO 5, c'est moi qui gagnais à chaque fois. Tarz, à chaque fois, je l'ai battu aussi. Sauf en LAN. En LAN, il m'a battu, putain. C'est lui qui m'a niqué ma qualif. Vince, j'ai jamais tag Vince. Mais ce Marmot, il était bon. Bah, Marmot, j'ai à chaque fois gagné aussi. En demi-un, jamais tag. Après, c'est Hearthstone, même si t'es moins fort, en fait, tu peux quand même battre des gens plus forts que toi, tu vois. Quand je les ai battus, je dis pas que j'étais plus fort qu'eux. Pas du tout, tu vois, mais. Faut commencer à la trade, elle. J'ai camouflage quand elle revient ou pas? Ouais? Non? Il est chaud maintenant, Tarz. Non, mais à l'époque aussi, tu vois. Non, mais Tarz était. Quand je dis ça, les gars, il est bien meilleur que moi, attention. Hein. Même quand j'étais à mon prime level. Mais genre, à chaque fois qu'on s'est rencontré, j'ai à chaque fois gagné. Sauf en LAN. En LAN, il a gagné le BO 3-2. Je sais plus combien il a gagné. Mais genre, j'avais battu tous les top players de ma pool. Et Tarz, qui était dernier, parce qu'il jouait des deck trolls, tu vois. C'est lui qui m'a battu. Et du coup, on était tous premiers ex-echo. Mais au goal average, c'est moi qui sortais. Ouais, petite consacre, hein, je pense. Hein. Petite consacre maintenant, hein. J'en ai deux en vrai. Travail terminé. Tarz est vraiment cool. Ah ouais, c'est mon joueur préféré, regarde en stream, Tarz. Non, je joue moins à Hearthstone, donc forcément je regarde moins, mais je sais pas si ça se fait maintenant ça. Non, je pense qu'il faut la garder pour après. On va mettre notre armée 3-1 là. Je vais prendre trop de dégâts si je fais pas un truc maintenant. Le problème c'est qu'il manque un dégât ici. F plus 3 de mana, mais si je fais F plus 3 de mana en fait je vais prendre trop cher.
Je commence à prendre trop cher, je suis à 23 HP les gars. Il avait 11 sur le board et un je sais pas. C'est sûrement un mauvais truc que j'ai fait les gars, je sais pas, je trouvais qu'il y avait trop de dégâts là sur le board. Ce serait bien que ça passe, ça. Je fasse consécration et ça. C'est quoi le pouvoir? Ah non, il aura rué. Ok. Peut-être pas le meilleur truc à faire parce qu'il a free trade, mais au moins bon, ça fait chier quoi. Ça va être dur. Après je peux revenir à tout moment. Le problème c'est que j'ai beaucoup de cartes, mais c'est beaucoup de 3-1 camouflage quoi. Ouais, se trouve à la place de Stalag, j'aurais peut-être dû faire Hero Power et un autre camouflage et. Je sais pas. Stalag en vrai, ça met la pression sur avec réincarnation. Ouh, grosse erreur là, monsieur. La lumière faiblit. Ah! Je pense qu'on va le tuer ça. J'étais le premier. Bon, il a ce free trade, je pensais que ça revenait avec incarnation, j'ai mal. Là, on est pas mal. En plus, c'est camouflage, on te pollue ton hero power. Pas vraiment, parce que. Après, j'en ai pas invoqué tant que ça. Hein. Mais si la 3 en revient en mode. Waouh! Ok, il va en finir quoi. Il va en finir. Oh! Vas-y, on se met à range de l'étal, hein. Tant pis pour l'invocation de la légendaire. Après, on a peut-être dû se redonner de la vie. Après, avec 9 de mana, est-ce qu'il peut nous infliger 11? Je pense pas. C'est une carte que je connais pas. Oh! Oh, les probas, monsieur! Mon dieu! What the fuck, les probas du truc, quoi. Ok, il win, hein. Mais très avec Stalag pour invoquer un Taunt. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça invoquer un Taunt? C'est pas forcément un Taunt, hein. C'était pas forcément la 8-8 qui arrivait Tyrion. C'est le moment où tu perds, c'est quand tu te rush. Bah ouais, c'est normal. Après, au début, mon deck ressemble à rien parce que c'était beaucoup de râle d'agonie melee. En fait, c'est les passifs qui ont fait que. Oh. Ouais, Thanos qui vient toujours dans le matchup mage. Hein. Toujours en mode tiens, je suis là pour qu'on se fasse rect ensemble. Je peux pas le mettre sinon il va. Le mec en face va trop scale. Après, ça me fait piocher. Ah mais avoir des Worms 1-3 qui pop là, tout va.
Ah. Ah oui, ça peut être à double tranchant le passif là. Oh, attends, attends, pause. Est-ce que je setup pas l'arme? Pour pouvoir faire les... Non, non, non. Oh là 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 là! Il y a une 12-12 qui va pop! Soon! Soon! Non les gars, c'est qu'en fait il a un passif, son passif c'est dès que tu mets un sort, on lance une copie, sauf que ça doit être aléatoire, tu vois. Donc c'était d'une chance sur deux, c'est tombé sur son mob à lui. Est-ce que je mets mon arme là? Problème, c'est qu'il y a faire trail là, puis là j'aurais peut-être dû setup l'arme, tu vois. Je pense que le bon play c'est de faire l'arme, mais j'ai pas envie. Pas envie. Non, non, pas un mouton. Oh. Oh, le mouton, mouton, voilà, 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 voilà. Si ça va là, c'est tout, c'est incroyable. Ok. Sa première run, yep. Bon, le problème c'est que je peux plus l'invoquer là du coup mon... Oh là là là, encore là, encore là, encore. Oh what the fuck. Et ton hero power? Ah, tu joues avec le feu mon gars. Ouais, je suis pas mal normalement. Et quoi, il a un AOE? Ah, il va geler tout le monde. Ah non. Il fait quoi? Ah oui, non, c'est la pièce, putain, oui, c'est la pièce x2. Peut-être que j'aurais... Là, j'ai voulu économiser, mais peut-être que j'aurais pas dû, tu vois. J'espère qu'il me la détruise. Pas. Ah, il voulait deux blizzards, ok. Ah oui, la pièce elle a fucked up. Oh non, le pauvre.
Clairement ce game là. C'est un malade là. Aléatoire, putain, il a ça quoi, mais je... Tâche 3 à la ville, là, il me saoule. Putain, il comeback juste dans la game à cause d'un putain de totem, quoi. Qui, sur tous les sorts existants coûtant 3, il fait celui qui le fait revenir dans la game. Ah, j'aurais dû peut-être le garder pour faire... Là, je vais trop me précipiter, là. Je vais trop gagner vite. J'aurais dû garder vu que j'avais égalité. Oh, s'il te plaît, pas un truc au PS fuck. Je fais de la merde. J'ai fait de la merde, non. J'ai oublié que son truc il s'activait pas. Ah. Ah non. Merde. Ah, j'ai oublié que j'avais mis Thanos. Je suis trop habitué à ce que les râles d'agonie s'activent direct. Non, calme, 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 t'as pas l'état, le calme. Oh la chatte! Mais c'est incroyable! Vous aimez jouer avec le feu.
Ok. Oh là là, mon dieu, mon dieu. Tu penses quoi l'extension? Là on teste le nouveau mode, est cool. Rien à dire, le nouveau mode est cool. En tout cas les gars, c'est un mode de jeu, c'est free to play. T'as juste besoin d'un ticket d'arène pour entrer dedans. Tu peux avoir un total free to play. Bon, très bon deck, très bon deck. C'est bien. 10 win avec ce deck les gars, first time, on a perdu dès le premier fight. Je prends, hein. Franchement, FC crack, je trouve. Hein. Franchement les gars, on a bien joué ensemble, on a pris les bonnes décisions, je trouve. Ah, attendez. Ça c'est fort avec mes Herald d'agonie, Zen, mettons. Je vais garder. En vrai, on a T2, T3, T4 plus un autre truc, on espère. Peut-être une arme qui va pop. Et on aura notre T5. Oh, c'est fort ça. C'est. Putain, un Grim Patron du 2020 quoi. Non, en gros, c'est fort. Je. C'est un trésor, je sais, ils me l'ont proposé tout à l'heure. Là, on va se prendre des dégâts là. Faut tant plus côté 5, les gars. Avec le dire de camouflage, c'est trop trop fort. Des gens qui ramènent les gars ici ou pas? Ouais, on va l'empêcher d'invoquer. Hein. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, je vais prendre. Ah, faut que je check le secret avant quand même. Oh, what? Mais c'est trop fort! Oh bah je peux rien faire les gars. Il m'a fait une sortie là, son double pièce, Grim Patron, full board, je peux rien faire. Bon, je vais mettre lui pour pas qu'il la récupère. Oh, c'est trop bien, il voit ma main et tout. Ah oh, mais gros! J'ai. Dommage, en vrai on a fait 10 wins, c'était cool. Ok ok, bon bah les gars, on a testé du coup ce nouveau mode de jeu. Genre le mode duel il est cool en fait, c'est un mélange entre l'arène et les missions qu'il y avait dans l'aventure. Une espèce de mission où justement tu sélectionnais au fur et à mesure des cartes pour améliorer ton deck. Et c'est vraiment bien ouais.